Essaye, toi, de te tenir sur les montants. D'accord. Voilà. Plus dur, c'est la mise en place. Après, ça va mieux. On a un peu l'air de crapaud, mon frère. C'est technique. Ouais. Alors, tu parles s'ils avaient dû venir là avec des nacelles. Je te dis pas le massacre. Ça aurait coûté cher, peut-être. Ah bon? Ouais, je crois. Il y a vraiment un coup de bol, l'architecte qui a conçu l'immeuble, il n'a pas prévu qu'il faudrait nettoyer les vitres. Tu vois, alors on ne peut pas fixer de nacelles, de trucs comme ça, il faudrait qu'il fasse à la grue, fasse, tu vois, un bordel infâme, quoi. Alors nous, on arrive, bon, on est léger et tout, tu vois, et on peut le nettoyer, quoi. C'est un créneau original, disons. On va dire que ce soit tellement amusant, mais enfin, bon, c'est loin d'être déplaisant quand même. Quoi. Vous faites que le lavage de vitres ou vous faites d'autres choses? Non, on fait des tas d'autres choses, quoi, tu vois. C'est, le lavage de vitres, c'est exceptionnel. Hein. On fait surtout les travaux sur des falaises, tu vois, des trucs comme tu vois là-haut, par exemple, quand il y a des blocs qui tombent sur la route, tu vois, mettre des grillages, enfin, aller les clouer ou les faire tomber volontairement, ou des minages, enfin, tu vois, sinon ça, c'est varié, quoi. Et Patrick, ouais. Tu travailles souvent dans cette société? Oui, oui, de temps en temps, c'est souvent, je travaille pour Bonne Ambiance. Ça te permet, tu considères, c'est un appoint aussi pour vivre financièrement ou... Ah, bien sûr, oui, bien sûr, oui. C'est important comme c'est travail. Important. Bon, d'abord, je travaille. Bon, ça me rapporte de l'argent, évidemment. Et puis, en plus, je travaille déclaré. Donc, ça me donne également la sécurité sociale et ces choses-là. Ça te gênerait qu'on te reconnaisse à laver des vitres? Ah, ouais. Mais moi, j'ai pas d'image particulière. Hein. Je dirais même que c'est plutôt marrant, à la limite, des fois. Hein. Ah ouais. Ça m'intéresse, ça me plaît. Je suis content. Et puis, il faut bosser, quoi. J'espère, j'ai bien fait de le dire. Ouais, d'accord.